Comment l'école est devenue obligatoire pour tous les enfants? Le système éducatif français a connu d'importantes évolutions à travers l'histoire. La Gaule romaine disposait d'écoles municipales pour les riches familles gallo-romaines. Ce modèle romain fut perpétué dans les écoles religieuses au Moyen Âge, où l'enseignement était dispensé en latin par des moines et des prêtres. Au XVe siècle, la Renaissance fait apparaître un nouvel idéal pour l'instruction, davantage consacré aux arts, aux lettres et aux sciences. Dans les grandes villes du royaume, des collèges sont créés où les enfants des familles riches et bourgeoises étudient. C'est pourquoi l'éducation devient un enjeu important dès les débuts de la Révolution française. L'objectif pour les révolutionnaires est de donner une instruction commune à l'ensemble des citoyens français. Plus tard, Napoléon Bonaparte crée les premiers lycées publics, établissements prestigieux et payants, réservés à des élèves excellents et privilégiés. À partir de 1833, sous le règne de Louis-Philippe Ier, les communes françaises ont l'obligation d'avoir une école publique. Et en 1841, le travail des enfants de moins de 8 ans est interdit. Malgré cette loi, l'école est peu fréquentée. En effet, la majorité des familles ont besoin de faire travailler chacun de leurs membres pour leur survie. À cette époque, l'école est donc surtout fréquentée par les garçons et ceux qui y vont régulièrement sont les enfants des familles aisées. Un changement fondamental s'opère en 1881. Jules Ferry, ministre de l'Instruction de la Troisième République, fait voter une loi rendant l'enseignement public gratuit pour les garçons comme les filles. Ainsi, même les enfants des plus pauvres peuvent aller à l'école. C'est aussi avec une autre loi de Jules Ferry en 1882 que l'école publique devient laïque. Les prêtres et les religieuses sont alors remplacés par des instituteurs et des institutrices. Pour respecter les croyances de chaque élève, le catéchisme, qui est l'enseignement religieux catholique, est remplacé par l'instruction civique et morale. La même année, l'école devient également obligatoire pour les filles comme les garçons âgés de 6 à 13 ans. Avec cette loi, les enfants n'ont plus le droit de travailler la semaine dans les mines et les usines. Ils doivent obligatoirement se rendre à l'école. Les enfants des paysans continuent d'aider leurs parents dans les champs et à la ferme, pendant les vacances et chaque jeudi. Et oui, en ce temps-là, le jour de repos n'est pas le mercredi mais le jeudi. Il faut aussi savoir qu'à l'époque de Jules Ferry, les maîtres et les maîtresses sont très sévères. Lorsqu'un élève n'apprend pas sa leçon, il peut recevoir un coup de règle sur les doigts ou être envoyé au coin et humilié avec un bonnet d'âne. Aujourd'hui, les pratiques violentes envers les enfants sont interdites par la loi en France. En classe, les élèves étudient l'instruction morale et civique, la lecture, l'écriture, la géographie, l'histoire française et l'arithmétique. Ils font également du dessin, des travaux manuels, de la couture pour les filles et des exercices militaires pour les garçons. À la fin de leur scolarité au primaire, les élèves âgés entre 11 et 13 ans, sélectionnés par leur instituteur pour leur scolarité excellente, pouvaient passer un examen appelé « certificat des études primaires » qui attestent de leurs connaissances dans les différentes matières. De nos jours, l'idée que nous avons de l'école est un héritage de la Renaissance, de la Révolution et de la République. C'est la Troisième République qui a permis à tous les enfants de France d'avoir la chance d'apprendre en allant à l'école. On peut dire que les lois de Jules Ferry ont eu un impact considérable dans la vie des Français, puisque grâce à elles, au début du XXe siècle, la majorité des Français savent lire et écrire. Tu sais désormais comment l'école est devenue obligatoire au XIXe siècle et l'immense progrès que cela représente pour tous les enfants de France. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeducation.fr.